Waouh, c'est dingue, la tête de Wesh, je suis en train de péter un câble. Et Je... toi, t'aimerais bien habiter avec elle? Non, dis la vérité, je vois comment Ouais. t'as un sourire et tout. Ouais, toi tu veux Nickel. t'installer avec elle. Et ouais, gros pervers, hein. Les gros pervers. Tu veux. De quoi? Ouais, tu Le veux. pervers. Hein? Hein? Laissez-moi tranquille, laissez faire Moi, moi, je aucun peux dire homme ne ce que je ferme pense. Moi, je peux dire ce que je pense. la Moi, je pense que vu qu'elle a dit, elle a vu que lui reparlait avec Emily, elle a utilisé le prétexte que elle voulait habiter avec lui pour qu'il culpabilise à Max. Après, Toujours. moi, je dis juste ça comme ça, Mais genre... mais chacun pense comme il a envie. Eh, attends, parce que je vois un message. Wallah que c'est pas scripté. Wallah que c'est pas scripté. La tête de Wam que je suis en train de tout découvrir avec vous là maintenant. Wallah que c'est la vérité. Et maintenant je vais te poser une question. Pourquoi vous voulez cohabiter ensemble? Je comprends pas. De quoi? Pourquoi vous voulez habiter ensemble? En Tu tant connais que les meufs? Tu connais les colocataire? meufs? En colocataire ou genre couple? Mais voilà, je suis en train de. Voilà, je suis en train de serrer. Hein? Comment ça, tu sais pas? Et vous parlez pas ensemble! De qui? Eh, vas-y, c'est bon, Moi. frère. Qui veut habiter avec un SDF? La tête de Wam! Eh, la Moi, tête de Wam! Eh, ma. Eh, je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher. Wallah, que c'est pas scripté. Et la tête de Wam, carrément, je vais te poser une question. Oh, Wallah, que je le savais pas, je viens d'apprendre maintenant, là, tout de suite, maintenant, qu'il voulait s'installer avec. Avec Nina et que Nina voulait Quoi? s'installer avec lui. Wallah, que je viens de l'apprendre. Ouais, bah j'ai rien à foutre. C'est faux. Largagement gêné. De quoi c'est faux? Tu le savais toi? Qu'elle voulait habiter avec lui. Elle a dit ça pour le faire culpabiliser. Faut que tu te réveilles, mec. Non Elle a dit ça dans un message. Et quand par hasard c'est le message où elle a vu. non, Bon, ok, si tu veux, vas-y. mais je vais lui poser la question. L'histoire d'habiter avec elle, chercher un appartement et tout. C'était. Ça date de quand? Quoi? Moi. Je veux De hier 6h. pas. Ouais, bah j'ai rien à foutre. Allez. Je Preuve. Preuve. Nina va manger ce Preuve. pain rendu à pêche pendant Regarde, 10 minutes. j'ai Preuve. regardé Preuve. les appartements Preuve. en Preuve. qu'on était sur Discord et il y en avait un qui était pas mal. Il D'accord. était pas C'était mal quand? celui-là. C'était il y a combien de Oh temps? là là. Une semaine à peu Une semaine? près. Une semaine à peu près que j'ai dit Si je peux me qu'il y avait permettre. pas mal et en rigolant, j'ai dit bah tiens, on va vivre ensemble. C'est en rigolant. On n'a plus rien parlé. Ok, Si je peux me permettre, d'accord. je peux re-expliquer J'ai mieux avec une compris. vision beaucoup plus claire. Sur Discord, Nina l'aidait à trouver un appartement. Elle le sait, donc il cherche un appartement sur Nice. Ensuite, elle a vu que, J'ai du des gens, coup, ils ont elle des a noms de vu que personnes. lui reparlait avec Emily, parce que je sais très bien que JP, s'il sait que il va se mettre dans un appart avec Nina, jamais il aurait fait cette erreur, il en a Non, rien c'est à bon, foutre. j'ai compris. Donc, elle a vu ça et elle a Bon. envoyé un message en lui disant, je comptais venir habiter Oui. avec toi, ce qui est totalement faux, c'est Ok, pour le faire j'ai culpabiliser. compris. En fait, Voilà, réveille-toi, mec. il y a eu une phrase il y a une semaine. Et là, à 6h du matin, elle t'a envoyé ça. Ok, c'est bon. Il s'est Là, voilà, il s'est ok. enflammé seul. Il s'est enflammé tout seul. Oui, c'est bon. En fait, elle comptait pas habiter avec toi. C'est juste pour te faire mal. Genre, ah ouais, tu reparles à Emily. Et ben tiens, je J'ai comptais mal où? habiter avec toi. Et ben maintenant, c'est mort. C'est bon, j'ai capté le move. Mais j'ai mal Real, C'est bon, j'ai capté. real, J'ai capté. Hein? real. J'ai mal où? Moi, je te le dis, Je t'ai pas touché, ça allait le là, voilà, moi. voilà, tu m'as touché. Smahli. Hein? T'as pas mal. Ça fait pas mal. Mais il y a 2 secondes, il avait le sourire à mort. Là, t'es de moi. Mais Là, tu t'en fous. Quand t'as je reçu ce message à 6h du matin, c'est. 6h le matin, je me suis levé, je fais. Ah, tu t'en foutais, t'as bip. T'as pas vu que j'ai pas répondu? Ah, donc tu t'en fous de Nina en fait. Non, c'est bon, Non, c'est je bon. parle Ben, c'est Nina. Ben, si, c'est ce pas que tu viens de dire. Ben, de c'est bon, il s'en fout de pas Nina alors. tout. Je me posais la question pour le message. Tout monté, Owen prépare des trucs. Mais wallah que je ne prépare rien, bande de fils de. Wallah que c'est réel, vous avez pas compris. Tout Fais ça, c'est attention à ce que réel. tu fais. Fais attention à ce que tu Oui, fais. je sais, j'ai vu. Tout ça, c'est réel. On te connaît, Owen. Mais niquez vos mères, si vous me croyez pas, tant mieux pour vous, les gars. Wallah, tant mieux, ça veut dire que c'est exceptionnel. Vous avez du mal à y croire. Mais wallah, c'est réel, Quoi? les frères. Quand je Je veux pas reçois de des comme un messages comme ça grand-père à anglais 9h du dans un matin, drapeau blanc, un camion qui passe bombarde à pas. fond sur la promenade des Anglais. Voilà, c'est la phrase de Freeze Frère, Corleone. vas-y, cache ta tête. Ouais, je reçois des messages comme ça à 9h du matin. Cache ta tête, toi. De quoi? Cache ta tête. Je reçois des messages comme ça à 9h du matin. Regardez, 9h du matin, Nina. Je reçois. Vas-y, cache ta tête. Cache ta tête, gros Bon perf. voilà, tu sais même mon pote, Quand je fais vois. ça! Tu 9h dis du pas qu'elle n'est pas dans matin! le truc? Elle est dans le truc là, je la vois ta sale Merde. gueule! Cache ta tête.
Vas-y, c'est bon. Ouais. 9h du matin, je reçois des messages comme ça. Le dernier message. Le dernier message, vendredi, 21h. C'est à l'envers, c'est pas grave, tu tournes. Bref, et la vidéo Paella la Bamba, qui date de. De quand? Tu fais quoi? J'ai pas compris là. La vidéo Paella la Bamba qui date de dimanche, cache ta tête, cache ta tête. Attends. C'est ta mère la pute, elle est scriptée, fils de pute. Et le fait qu'il parle tous les soirs avec lui, c'est scripté? Toutes les nuits, il parle avec. Et c'est scripté. Frérot, c'est juste un trou du cul qui pense qu'il a encore des chances alors qu'on lui a prouvé maintes et maintes fois qu'avec Nina, il n'y aura jamais rien, c'est tout. Arrêtez de dire c'est scripté! Eh bah écoutez, wallah, wallah, c'est pas scripté. Wallah, ça c'est pas scripté. C'est bon, voilà. J'ai rien fait, moi, pourquoi tu me touches? Vous faites ton acte tout seul. Pourquoi tu me touches? Wallah sur la tête à ma mère. C'est bon, tu vas pas habiter avec Nina, tu vas pas habiter avec Nina. Tu vas pas habiter avec Nina. Tu vas pas habiter avec Nina. Vous faites ton acte tout seul. Là, la poule, c'est la poule. Wallah, je touche juste sur la tête à ma mère. C'est la poule. Là, tu vas revenir. Putain. Là, je croyais que c'était une baffe. La tête de ma mère, c'était pas scripté, chacal. Je croyais que c'était une baffe. Non, c'était un œuf. Mais c'est pas... on a même pas vu que c'était un œuf. Comment pas, il est allé hyper vite. Scripté, ça. Faites voir le clip. Il a pas éclaté, si, il a éclaté là. Si, il a éclaté, il y en a partout. Ah, mais sur la chaise, ça va jamais partir. Non, c'est fini à vie. Déjà que sur ma peau, c'est galère. Je vois, ça va. Voilà, j'ai tout essayé. Ouais, mais imagine si je l'avais visé en plein visage. Il aurait tout changé. Et qu'on est tout blanc ici. Tout ça, là, blanc, impossible à enlever. Arrête. Voilà, regarde, essaye. J'ai tout essayé. J'ai gratté tout. Je suis allé fort à mort, j'avais le bras tout rouge. Voilà, ça part pas. C'est dans ma peau. Comment vous allez faire partir? Je sais pas. Oh voilà, comment on fait partir un truc comme ça? Hein les gars? Dissolvant? Et... attends. Tu fais quoi? J'ai pas compris là. C'est là non? Eh bah écoutez, wallah, wallah, c'est pas scripté. C'est la poule les mecs. Tu sais qu'il y a le PC de Kamel, si par malheur il ose toucher le PC de Kamel. La tête de Wam, c'est vrai. C'est un homme fini. Il prend des risques. White Spirit. Les gars, je vais finir Albinos. La diète d'Owen aussi elle est scriptée. Non c'est faux, mais vas-y. Oh, JP, oh. JP! Va faire la paix avec lui. Tu lui dis, c'est pas toi, c'est la poule. Mais il sait que c'est la poule. C'est mon paquet d'hier. Il a intercepté. Va chercher, va chercher. Va faire la paix, va faire la paix, va faire la paix, va faire la paix. Vas-y, vas-y, vas-y. Va faire la paix. J'suis obligé. Dissolvant. Ah, j'suis obligé. Oui. Ça veut dire que si je l'en mets sur le. Casse les couilles. Vas-y, pardon, wesh. C'est bon. J'ai fait la paix. J'ai fait la paix. Voilà, j'ai dit pardon. La paix. C'est scripté ça? Franchement, non. T'as mal? Ouais. T'as vu que c'était pas du placo? Ouais, c'est pas. Normal, c'est un truc plus dur que le placo, justement. C'est pour ça qu'il tombe pas celui-là. Lui, il est net. Il y a beaucoup de trous dedans. Ouais. T'as mal? Un peu. J'ai une bosse. Allez, fais gaffe. JP! Ah, JP! Vas-y. Il met un maillot, il arrive. La naissance de JP, elle est scriptée. Oui, The Truman Show. Sa vie est filmée H24. Pourquoi vous ne mettez pas JP au milieu sur la chaise pour éviter de lui dire à chaque fois d'entrer dans le champ? On peut, en vrai. Non. Mais le problème de celui qui est au milieu, faut qu'il parle fort. Parce que le micro, il est loin. Et déjà qu'il parle pas fort, après... Ouh, la mairie, je vais en venir sur la mairie, les gars. Merde. Je vais en venir sur la mairie. Je vais en venir. T'attacher ton balle trou. Ouais, je sais. C'est le balle de paintball. Sur ma mère, beau gosse. Mais pourquoi t'as mis un beau pull avec ça? Il y a une menace qui tourne. Mais tu peux te mettre torse nu dans les lives, tu sais. Il fait pas froid, il fait pas chaud.
Pourquoi tu mets pas torse nu? Non, pistoclope, la tête devant, par contre, non, je rigole pas. Donne-moi une clope. Pistoclope, frère. Frère, j'ai pas créé cette invention pour rien. Allez. Excuse-moi. J'ai pas envie que tu te sentes mal ou que genre, tu dises ma mère elle va mourir, mais t'as juré sur la vie de ta mère que t'allais pas revenir. Ouais, c'est vrai. Putain. Non, ça a rien à voir, tu fais, c'est pas grave. D'où tu trouves ça le paquet de clopes là? C'est celui-là. Alors, j'explique. À chaque fois que tu dors, il y a un mec, il rentre dans ta chambre, petit à petit, comme ça, tout petit. Ça m'étonnerait. Et il ouvre le magnifique tiroir qui est sous ta télé, celui-là. Tu vois, c'est lequel? Et il y a plein de paquets de clopes. Et il pioche comme ça, il prend un paquet de clopes, il sort tout doucement. Ça veut dire que c'est un fils de pute, c'est un voleur. Ouais. C'est un arabe, donc on s'en fout. C'est la droite. J'ai jamais dit que c'était moi. J'ai appelé les gendarmes alors. J'ai jamais dit que c'était moi. Oui, appelle les gendarmes. Viens, vas-y. D'ailleurs, on va aller appeler les gendarmes. Moi, on va appeler les gendarmes de l'hygiène. Je vais te montrer la mairie ce qu'ils nous ont envoyé. Vas-y, avance. Bon, pas les couilles, là. Allez, pistoclope. Quoi? Non, mais avance, tu es pas dans le champ. Vas-y. Allez, on a réussi, on peut le rester. Non, mais plus, frère, comment tu veux. Frérot, il ouvre comme ça, il ouvre la bouche comme ça. Comme ça, ouais, comme un cheval. Vas-y, comme un cheval, ouvre plus. Attends, reteste. Mais frérot, tu fais exprès, voilà, tu ouvres pas la bouche. La tête donc tu ouvres pas la bouche, ouvre bien la bouche, ça va passer comme hier. Ouvre bien. Oh hier j'ai mal partout. Oh là, j'ai mal partout. Oh hier. T'as fait la mâchoire à la first try. Ta mère, vas-y ouvre la mâchoire. First try hier on a fait, vas-y ouvre bien. Voilà. Bect. Un chopin mon frère. Non, faut la refaire. Okay. Oh, merde. Oui, frérot. Oui. Non, tu joues le jeu. Ouais, tu bon, joues bon, le bon, jeu. Non, je suis pas d'accord, bon, mais mon frère, tu on a inventé une invention. On va la breveter, on va gagner des millions d'euros. Ouvre la bouche, vas-y. Breveter de quoi, de merde. Mais oui. Allez, chacal. Ouais. Voilà. Ça marche. Let's go. Pas cassé, bâtard. Non. Ça abîme pas la clope. Je te mens pas, en ce moment, c'est la dèche. Et moi, tu remets ta clope ici. Ah, il en reste plus beaucoup. Franchement, c'est la dèche. Franchement, c'est la dèche. T'as juré. Respecte le deal, frère. Je t'ai approché, mais frère, de loin, c'est dur à mort. Deal de quoi? Regarde, tu donnes ta tête. Il va faire le mettre tout petit, comme ça. Et comme ça, plus personne n'en parle. Tout petit. Tu bouges pas là alors? Vas-y. Reste à temps. Tout petit. Non. Oh. C'est quoi qui l'a pris? C'est quoi là? J'ai rien fait. Toi, j'éteins l'ordinateur, toi. Mais arrête de fouiller dans mes poches. Il reprend mon paquet de clopes. Il arrête et prend mon téléphone. Vas-y, nique, t'es mort. Mais j'ai rien fait, frère. Ouais, c'est bon. Mais qu'est-ce que tu fais? Bien, t'es mort. C'est bon. Mais j'ai rien fait. Allez, vous faire enculer. T'as pris quoi? Allez, vous faire enculer. Bon. Bah, je fais mes affaires, je me dégale. Mais vas-y, vous en boucanez pour rien, les frères, vous en boucanez pour rien. Vous en boucanez pour rien. Mais non, mais arrêtez, les gars. Ça va beaucoup trop loin. J'en connais une qui va pas pouvoir balance. Alors. Il a pu mettre quoi en mot de passe? Safine, t'as de la merde au cul. Non, c'est les balles de paintball, regardez. Il a pu mettre quoi comme mot de passe? Oui, je suis un Hagar Fournin. Oui. Si je mets une photo en Face ID, tu vois, ça marche? Non. Non, 000, j'ai essayé. En fait, tu voulais prendre quoi de base? Bah, à la base, j'ai mis ma main, il y avait trop de trucs. Voilà, c'est une caverne sa poche. La poche t'es ici, c'est une dinguerie, il y a tout et n'importe quoi. J'ai mis ma main, j'ai senti des clopes, un téléphone, un god, plein de trucs. Et j'ai sorti le paquet de clopes et le téléphone. J'ai vu qu'il tenait plus aux clopes qu'au téléphone. Ouais, j'ai vu. J'ai abandonné les clopes, j'ai pris le téléphone, je suis parti. C'est quoi ça? C'est son année de naissance, 78 ou 79? 19. Mais 39-45. Réessayez dans une minute. Faut attendre une minute. 79, c'est pas ça, j'ai essayé. Il faut qu'on attende. Mais le faire. T'as bien rembourré la poche? Ah, t'as changé. Ah, c'est bien. T'as changé, là, bien joué. T'apprends de tes erreurs.
T'apprends de tes erreurs. Je vois de là un homme confiant. Là, y'a rien. Si je fais ça. Ah, ah non, il a rien appris. Il a rien appris du tout. Non, mais là, c'est le téléphone. Bah, bah justement, c'est ça que je veux. Non, c'est pas quelqu'un qui veut. Non, j'ai lui. Ça va, ça me suffit. On veut tout. T'es pas fou, j'ai. Attends, j'ai une, deux, elle est trois, éteinte. Voilà, elle est éteinte, ta clope, trou du cul. J'ai 11 clopes, ça me tient facile 12 ans. Eh, le truc, il a tiré sur une clope éteinte, ce trou du cul. Bref, les gars, je vous ai dit, du coup, la mairie, ils nous ont contactés. Car il y a un petit problème. Pourquoi c'est en grand comme ça? Bah, bon, vas-y. Tu peux là? Ouais. Ok. Ok. On a été contacté par la mairie par rapport à ça. Si la mairie regarde le live, sachez que c'est Owen qui l'a autorisé à aller en ville. Moi j'ai jamais voulu. Moi j'ai dit non, tu n'y vas pas. Owen il a dit si, laisse-le un peu sortir. J'ai dit mais Owen, là tu penses à lui, mais il faut surtout penser aux autres. Il a pas voulu m'écouter. Chacun sa merde maintenant. Du coup. Mais vraiment la merde. La mairie, les amis, on va passer un coup de fil. Et parce que sous le poste de cette photo, il y a tout le monde qui spammait JP Rouek, 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 JP, JP. Voilà que c'est réel. Je vous jure, c'est pas une clope. C'est pas une clope. C'est pas une blague. Allez sur internet, je vous jure que c'est pas une blague. C'est vrai. Nauséabonde et intenable. À Nice, une odeur mystérieuse inquiète. Voilà que c'est pas une blague. C'est vraiment sur le journal. Ok. Et c'est vrai en plus. Mais la tête demande que c'est vrai. Genre, c'est pas une blague. Allez maintenant sur le journal. Allez maintenant sur internet. C'est un vrai article. Et du coup, frérot. Nous, on est juste là pour un truc. T'as vu, on sait que l'odeur, c'est toi. Et on va pas chercher plus loin. On sait que l'odeur, c'est toi. On veut juste que tu prennes une douche. On va avoir des problèmes, MC4. Oui, MC4, vous allez avoir des problèmes. Ça, c'est sûr. Tu sais, c'est fini. Ça, c'est sûr. C'est pas une menace, hein. Si, si. Non, c'est pas une menace. Si, si. Bah, non. Si, si. Non. Si, si. Ne me menace pas. Ne me menace pas. Ouais, c'est ça. Allez, ne me menace pas. Ne me menace pas. À la limite, tu vois. À la limite 2, vas-y. Vas-y. Hein, d'exploser vas-y. À la limite de prendre feu. De putain. Allez, va niquer ta mère. Voilà, va niquer ta mère. Non. Tiens, tiens ta gueule. Tout à l'heure, je l'ai fait doucement. Ton poing. T'as vu, ça aurait été trop marrant avec une photo de Rouek. Ouais, sauf que c'est vraiment sur un journal et c'est la vraie photo du journal. Du coup, c'est même pas question d'être marrant ou pas marrant, les gars. Là, c'est juste la vérité en vrai. Oh, je me suis brûlé. Du coup, avec la clope. Je sais pas. Là, tout à l'heure, t'as vu quand vous vous êtes battu, ta première clope, elle s'est éteinte sur toi. Donc, moi, je pense que l'odeur, c'est toi. J'ai reçu un coup de fil de la mairie. Ouais, c'est bien. Le maire, il nous a contacté. Il nous a dit Jean Pormanov ouais, est un bien. Réel problème pour notre ville. Je connais pas. Non, si, bon. Si. Il faut qu'il retourne à Metz. Si, si, c'est Estrosi. Il te connaît très bien. Si. Il te sent très bien même. Du coup, soit tu dois faire une douche, soit tu dois retourner à Metz. Ouais, je retourne à Metz, c'est bien. Ah ouais, tu veux vraiment pas te doucher. Ouais, je retourne à Metz. T'es prêt à tout pour esquiver la douche. Là, sérieusement, par contre. Merde. Il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Attendez, c'est mon alarme. Il faut vraiment que tu fasses quelque chose pour ton hygiène. Parce que sinon, on va devoir. On va devoir, nous, faire quelque chose pour ton hygiène. T'as vu ? Là, ça fait combien de temps que t'as pas pris de douche ? J'ai pris une hier. À quelle heure ? Après le sport et une après le live. Tu vois ? Je m'en souviens plus. T'étais là hier ? Je pense que c'est un mensonge. Je pense que c'est un mensonge, les gars. Et tu m'expliques. Moi je parle qu'en preuve. Tu m'expliques. Preuve ou fake. Vas-y, tu me dis pourquoi tu cendres sur toi. T'es un cendrier ou t'es un humain. T'es un cendrier ou t'es un humain. Bon, bah, écoute. Tu m'expliques pourquoi hier la poule elle t'a chié dessus, t'as encore du caca sur le visage. Non, regarde lui. Non, mais ça tu peux pas lui en vouloir quand même parce que ta mère la pute, tu veux m'aviser à moi aussi. Bref. C'est bien. Ouais, j'avoue, c'est chaud. La tête d'homme, ouais, je vous le dis. C'est un cendre humain. Ouais. Bah, les gars, est-ce que vous êtes dans le Discord? Il s'en fout de tout. Mais oui, il s'en fout de tout. Coudou, il a dit quoi ?
Il m'a dit des kits vaisselle pour nettoyer ça là. Ah, je me demandais. Avec du liquide vaisselle, je pense pas. Je pense qu'avec un bon petit truc, genre. On va sortir de l'eau spirit là. Ma parole. Je crois qu'il faut que tu te laves. T'as vu l'odeur de merde que ça repropage à Nice, ouais. Je pense que là, du white spirit, il faut te laver au white spirit. Oh, on est plus sous les ponts, frère. Oh, bon fils de... On est plus bon sous bon les ponts. De... T'as 25 ans. T'as 25 ans. Et tu veux passer tes 26 ans? Oh, on t'a déjà frappé avec une clope. C'est quoi, c'est une menace? Tu veux passer tes 26 ans? C'est quoi, c'est une Arrête menace. De me casser les couilles. Moi, je prends des douches et il est où? Pourquoi ça le fait rien? Non, les clopes, ils tankent. Non, c'est bon, ne jette pas trop de clopes. Pas trop. Ok, ok. Là, tu niques des clopes. Bon, c'est vrai. Très débile. Il a récupéré, il est content à mort. Mets-la dans la bouche. Mets-la dans la bouche pour lui montrer que t'as rien à foutre. Mais montre-lui, voilà, il a mis dans la poche. Voilà, il a mis dans la poche. Voilà, il a mis dans sa poche. Alors, je m'en bats les couilles, il est enculé. Bah, les gars, mettez-vous sur Discord. D'ailleurs, les gars, petite annonce. Petite annonce, tiens. C'est Nasus. Il veut la mort de ONJP. Ouais, il a dit. Tu veux passer des 26 ans? Ouais, il va se passer quoi? Hein? Ah oui? Il va se passer quoi? Il va se passer quoi? Je vais mourir? Mais bon, quoi? Tu veux me voir mourir? Vous voyez la différence entre nous deux? Moi, je veux qu'il prenne une douche et lui, il veut me voir mourir. C'est dingue, j'étais juste. Tu crois que t'as envie de quoi là? Pour lui, c'est mourir une douche. T'es malade? Vous êtes sur la même longueur d'onde, les gars. Oui, en plus, j'aime pas quand tu fais cette tête énervée, genre. Ça y est, frère, t'as pas besoin de t'énerver. Juste... Une douche, c'est une petite douche de temps en temps. Oh les gars! Une petite douche de temps en temps, les gars, l'eau ça mouille! Non, même une petite douche de temps en temps, la tête de homme, ça fait du bien, les frères. T'es fou, l'eau ça mouille, miskine! Mais moi, je vais quand même poser une main courante. Moi, je te laisserai pas. Je vais quand même appeler les flics, poser une main courante pour la menace qu'ils viennent me faire. Poser la main courante. Non, parce que les gars, imagine, il a dit, je vais pas passer mes 26 ans, c'est une dinguerie de dire un truc comme ça. Comment ça, pose? Vas-y, va faire la main courante. Non, mais pourquoi tu sais que tu t'en prends à la mauvaise personne, hein? Actuellement, on vit sous la peur d'une poule terroriste qui nous terrorise à chaque live. On reçoit des bombardements d'œufs. Pratiquement presque toutes les heures, on a un œuf explosif qui tombe. Et frérot, toi, le premier truc qui te vient en tête, c'est menacer à moi, frérot. Si tu mettais toute ton énergie énervée, etc. Dans la recherche de poule. Dans la recherche de la poule, peut-être aujourd'hui, on n'en serait pas là, d'accord? Voilà. C'est une dinguerie comme il est moche. Non, mais ça, les gars, c'est gratuit, ça. J'ai appelé à personne. Quoi? Tu fermes pas les boutons, là. Ouais, s'il te plaît. Ou alors, mets-toi. Ah, tu veux. Je peux te donner un conseil. Voilà, frérot, mets-toi ton torse. Attends. Attends, frérot. Get. Voilà, il a un claque-doigt dans le nombril. Voilà, il a un claque-doigt dans le nombril. Ah, mais moi, je fais, voilà, c'est une dinguerie, frère. Mais. Ouais, j'ai levé son pull. J'ai dit, what the fuck. Oh, t'as un claque-doigt dans le nombril. Ah non, mais il est là depuis quand? Attends. Parce qu'attends, je t'explique. Attends. Ah, les gars. Écoute. Il a pas enlevé son t-shirt quand on lançait les claques-doigts au début du live. Ouais. Il a jamais enlevé et on lui a jamais lancé quand il est parti changer. Donc il a pas fait de douche depuis hier. Si. Non, ouais, dis-le, il est plus con que claque-doigts. Il a pas fait de douche depuis hier. Bah écoute. Ouais, j'en peux plus. Ce mec, c'est n'importe quoi, je veux dire. C'est bon. C'est quoi? Oh, le claque-doigt, il est postiche. Là, ouais, depuis 24 était... heures. Oh là, tais-toi, mais il était à l'intérieur. Sur 24 heures, il est comme ça. 24 heures, le claque-doigt, il est postiche. Oh, chien. Dégueulasse, fils de p***, niquer ta mère, la race de p***. Ah, pas de gros mots, Raphaël, pas de gros mots. Pas de gros mots, pas de claque-doigt, gogol. Ok, bah les gars, je vais vous faire une petite annonce. Ouais, c'est un petit projet qui arrive. Plutôt sympathique. JP, si, je l'ai mis dans le groupe, tu l'as vu? Il sait pas lire. J'ai eu des discussions, on en a mis là, ça peut être un truc sympa les amis. C'est juste avant de commencer le live, je vous le présente. Je me suis envoyé, il est là. Hop là. Oh, grave stylé. Tac, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Let's go les gars. Du coup, on travaille sur une BD, la Sainte Convention. Voilà les amis. Ça fait plaisir. Et en gros, je vous explique. La BD, elle va retracer du premier live sur Kick jusqu'à aujourd'hui. Et à chaque fois, elle va suivre les lives sur Kick. Donc, les gars, il y aura bien évidemment du début à la fin, le premier Palala, la Bamba, Batman. Ça va retracer tous les personnages. Bien sûr, la poule explosif, la poule terroriste sera présente dans cette BD quand on aura rattrapé tout le retard. Je sais pas lire, force à toi. Tu regardes les images.
Le pistoclope sera bien évidemment dedans. Tout ce qu'il y a eu depuis le début de cette aventure. Sur quel bouton? Non, le principe. Ok. Et juste là, on a mis Kalash Twitch et Kalash Twitch et Yo-Yo en train de s'affronter pour savoir qui va baiser Barbara. Juste ici. Plein de petits easter eggs, faudra les trouver dans les images. Donc voilà. Ah ça c'est ouais, c'est juste pour vous dire, ça s'appellera la Sainte Convention. C'est toi? Ouf. Ah, c'est pas moi. Voilà que c'est pas moi. Y'a la poule. Goulola, c'est pas toi? Je te jure, c'est pas moi. Là, c'est... Oui. T'es dehors, il y a une poule. Oui, là la poule. Bref, et du coup voilà, vous l'aurez reconnu, bien évidemment, le druide avec voilà avec ses petits trucs, la carte à l'envers, Safine qui est là. Pas besoin de vous le présenter, hein. Pas mal, un peu de. Ah, j'avoue, c'est bien fait à toi. On a fait après. Non mais c'est parce que t'es un crème, en gros. La petite goutte de sperme ou de pisse, voilà, c'est quoi un khemj? En tout cas, t'as ton épée en bois, elle est bien placée. Tu sais, c'est quoi un khemj? C'est quand c'est un mec, il est banni du village. Des bouches, c'est un khemj. Genre, en français, c'est un exilé, et en arabe, c'est un khemj. Eh, y a pas, dommage, en gros, t'es un khemj, quoi. Y a pas un claque-doigt, comment ça s'appelle? Et bien évidemment, le tatouage qui est là, t'aimes bien ou pas? Tu l'avais pas vu? Je l'ai annoncé tout à l'heure dans. Putain, ça me déçoit. Et là, vous l'avez reconnu ici ou pas? C'est qui? Ah. C'est Debaf, c'est pas Nina. Ça va retracer, les gars, toutes les histoires avec toutes les meufs du début, de Anaïs à toutes les meufs, bref. À toutes les putes. À quoi? À Pagnon. Oui, voilà, à toutes les putes. Ouais. À la conquête du royaume de Kik. Donc, c'est vrai la BD? Non, voilà que c'est vrai. Et je vous explique pourquoi. On a pour objectif... On a pour objectif de sortir un maximum de livres pour retracer l'histoire. Et après, ça sortira en fonction de la suite de nos lives. On dit un peu trop. Non, je le dis parce que c'est vraiment le projet, et on peut le dire. Non, les gars, vous inquiétez, on n'a pas encore le prix, etc. Vous inquiétez pas, on est en train de voir avec des maisons d'édition. Dans la BD, l'on nous avoir une illustration détaillée de son B-trou. Aussi, j'ai reçu le maillot et je m'en sers comme serviette à sperme. Oh, le mec, c'est vraiment un fils de toi. Comment ça s'appelle? Non, vous inquiétez pas, on va faire ça proprement. Je remercie Susan et son mari qui travaillent sur ça. Là, le boulot, il va commencer. C'est des heures et des heures et des heures et des heures de travail, les amis. On est encore en train de taffer l'histoire, etc. Comme ça, c'est en train de se terminer. On va essayer de mettre... J'ai pas le prix encore, les gars. Ça sortira dans quelques mois. C'est encore en train de se faire. Et voilà, après, on va enchaîner. C'est quoi que je voulais dire? Parce que le but ultime, voilà, ce que moi, j'ai vraiment envie, les gars, c'est avec ces livres, avec ces tomes, c'est d'approcher des studios d'animation pour en faire un dessin animé. Voilà, on va un dessin animé, exactement. Moi, ce que je veux faire, c'est un dessin animé, un genre de petit dessin animé, South Park, Simpson, un truc grave gaulerie, dans le délire, qui suit tout ce qui s'est passé sur Kik depuis le début. Donc voilà, en tout cas, les gars, ça c'est le projet, on tape dessus, c'est en amont, il y a des trucs qui arrivent. On taffe et il y a plein de choses qui ça vont arriver. Ça prend en amont. À côté. Maman, c'est. En amont, c'est à côté. Bah, c'est en amont, c'est. En même temps, genre, mais. En même temps, quand on tape sur Tiki, qu'on tape sur le bouquin. C'est vrai la BD, oui, voilà, c'est vrai. Voilà. D'accord. Ouais, c'est bien. Et bien évidemment, dans ces livres, dans cette BD, il y aura aussi. L'incroyable combat en e-sport entre deux personnes. C'est master. Alors imaginez les épisodes en dessin animé, ça peut être une masterclass de ouf. Et bref, ça c'est un des projets. La suite arrive. Et du coup, ça veut dire quoi en aval? Après, si je retournais pas en amont et en aval et que tu me dis que t'as fait l'armée, c'est vraiment. C'est un menteur quoi. T'as cru que j'étais dans ma marine ou quoi ce bâtard? Je vois pas le rapport. En aval.
quoi la marine? En naval, c'est pas genre. C'est pas naviguer, ça n'a rien à voir, je suis pas naval. Mais oui, je me dis. C'est ni avaler. Ni avaler. Il a comparé bataille navale. Voilà. Avec en aval. Serait-il possible d'intégrer des endroits dans le livre où on peut gratter la page et sentir l'odeur de JP? Vous êtes des malades. Quoi? Je veux pas aller là. Ouais, bah j'ai rien à foutre. Mine de rien, vous faites un travail de ouf. Heureusement que le SDF vous a. Bref, voilà, c'est un des projets. Quoi d'autre? Je veux pas aller là. Ouais, bah j'ai rien à foutre. Si jamais vous avez besoin d'un spi pour le personnage de JP, inspirez-vous de la sardine dans la famille pirate. Quoique à mon avis la sardine est plus propre que l'autre crasseux de cadavre. Y'a pas besoin les gars, on suit juste tout ce qui s'est passé dans les lives depuis le début. Et voilà. On a pas besoin de s'inspirer. Ouais, alors bon, pas la peine. Et c'est quoi que je voulais dire aussi? Putain, je voulais dire un autre truc, sa mère là. Vous inquiétez pas, le retour du roi arrive, il manque 2-3 trucs. Et self-control aussi, bientôt le retour. Donc vous inquiétez pas, ça arrive. Tous ceux qui posent des questions, etc., au moins vous le savez. Et on va commencer cette radio libre tout de suite. Maintenant on va vous faire monter. Wesh. Les gars, je crois qu'il y a la poule. Foutre de singe, merci pour le sub. C'est une dinguerie, frère. Bon. Vous inquiétez pas. Derrière toi, JP, non. Il est traumatisé par la poule. Bon, il y a tout le monde sur Discord. C'est bon, les gars. Ouais. Mais juste réveille-toi s'il te plaît. Tiens, j'aime pas te voir dormir, j'aime pas te voir dormir. Tu prends pour qui gros? Ferme ta gueule. Prends pour qui gros? Oh, l'erreur monumentale. Hein? Et en ce moment, je suis super sympa comme type. Et là, t'abuses là. Oh, je t'ai dit quoi? Tu sois encore. Non, je dégage pas. Retourne là, c'est vraiment pour moi que tu me donnes. C'est toi qui me donnes. T'inquiète pas. Le tout nouvel aspirateur avec système de vide. Je veux pas les mots là. Ouais, bah j'ai rien à foutre. Il y a des pubs et tout. J'ai tellement hâte de voir Jojo dans la BD, ça va se transformer en Antaï. Merci pour les 20 balles. C'est bon, c'est bon. Les mangeurs de cul, 6 euros, la doudouche. C'est parce qu'il m'a touché ça, les gars. Donc je comprends, il t'a mis une baffe, et toi juste tu lui lances des claques doigts. Oui, oui, non. Il est bien gentil, le roi. Serait-ce devenu une... On est vraiment pour un fils de... Voilà, vous me prenez vraiment pour un fils de... Ah, ça mérite un gros coco, comment il a dit et tout. Attends, après la vidéo. Moi, je remplis ma part du contrat, mais le roi est devenu... Putain. Pour prendre une douche, ouvrez l'eau et laissez la couler jusqu'à ce qu'elle soit chaude. Mettez la température avec une... Entrez dans la douche et tenez-vous sous l'eau pour rincer votre corps. Merci. On bat les couilles. C'est très gênant. J'ai connu le roi un peu plus costaud. Un peu plus fort, un peu plus autoritaire. Et là, je suis en train de voir que c'est une pute. Je vais chauffer Owen, il va le rendre fou.
Ouais, JP! Non. Et pourquoi? Parce que je l'ai lancé. Je fonctionne toujours rien sur toi. D'accord. Attends, mais attends, Ouais, JP! Viens. Et les gens ils disent que t'es devenu une pute. Le roi il s'est trop assagi. C'est plus le même roi qu'on a connu. Genre. Après, moi c'est vrai que j'ai été habitué par un roi beaucoup plus autoritaire, strict. Ta gueule. Non, le. On le... est potent quoi. Les gars, vous comprenez mal. Vous comprenez pas. Le roi est. C'est le. Il est comme ça. Il est comme ça. La poule terroriste. C'est ça le roi. Vous avez pas compris encore. Vous êtes trop des gamins, vous êtes une communauté d'enfants. Oh, ouais, j'ai pété. Mon pote, je l'ai réussi. Wesh, mais je l'ai réussi. Mais je suis allé grand bas. Bien le silencieux. Allez, mais lève-toi. Oh, vas-y, tire fort. Attends, parce que JP, il veut pas m'aider. Tire fort. Wow, gros, tu fais. Wow, je suis choqué. Wow. Oh, oh, quelle force! Dégage! Là. Je suis bloqué, je te jure! Quelle force! Ouais, je suis bloqué là, tu te dégages! Oh, ça t'éteint! Bah, franchement, je suis choqué de. Attends, juste, je suis choqué. Dis-le qu'il enlève là-bas. Là, c'est un truc de merde. Les deux secondes, ils vont nous casser les couilles. Arrête là-bas! Un roi affaibli. Non, non, non. Je suis un roi de qualité. Bande de grosses. C'est ça que vous comprenez pas. Et tu devrais mettre un casque pour les lives. Pour la poule, je te jure, un casque. T'en as pas un? Casque de moto ou de vélo? C'est sûr qu'il prend que ça. Parce que vu que ça tombe souvent sur toi. Ah. Un roi sans autorité. Bande de petites salopes. Roi faible. D'accord, ça doit être ça. De quoi, regarde. Quoi? Je veux pas les mots là. Ouais, bah j'ai rien à foutre. Le roi des manipulateurs, oui. C'est moi. Ouais, JP, espèce d'enculé, ça c'est pour toi, sale connard. Palalala, bamba! Y'a des armes, tout pas la pizza! Bah Léo, ça file. Assieds-toi toi. Non, 1v1, je vais le blesser. C'est bon, t'as vu la différence. Quoi? Même avec personne, c'est pas visé. J'ai lâché des 20 bits, et même pas un merci du sac à merde. Ouais, t'as fait quoi? Merci, brother. Allez, appelle-le, assieds-toi. Allez, assieds-toi, arrête de te lever pour rien. Et je te. Mets ton torse nu. C'est quoi ça? Enlève ta main, toi. Ferme ta gueule. Enlève ta main. Ferme ta gueule. Enlève ta main. Ta gueule. Ouais. Non, je crois bien qu'un individu a trouvé le poulailler. Merde. Mais ce crime restera pas impuni. Si j'ai mis autant de temps, c'est que t'es dans la merde. Aïe aïe aïe. J'aime pas trop ça. Bon les gars, je vais faire monter des gens. Je me place dans la radio. Sachez que si petite et si ils ont trouvé le poulailler. Ils ont trouvé la poule. Ils ont volé tous ces petits bébés. Tous ces petits bébés là, ouais, les petits bébés qui tombent de son trou de balle. Ils ont tout trouvé et tout jeté. Allô? Ouais. Ouais. Ouais, brother, ça va ou quoi? Ça va et où? Ah, wesh.
Comment tu fais quoi? Ça va les crypter. Quoi? Ça va les quoi? Ouais. Bon, vas-y, je monte, j'ai un service à vous demander. Vas-y, on t'écoute. Voilà, moi je suis de Hec, je suis célibataire, je suis en chien, j'aimerais avoir Nina. De Hec, t'es en chien, tu veux avoir Nina? Exactement. Moi je trouve que c'est une très très bonne idée. Ouais, il n'y aura personne. Si, si. Moi, je trouve que je vous jure que vous me laissez une semaine avec, je viens dans vos locaux avec elle, elle m'aura tout pas l'habitat. T'as quel âge? 27. Oui, c'est parfait. Comment ça, mais... C'est parfait, frère. T'es plutôt beau gosse? Tu fais quelle taille? Regarde ma photo. Attends. Je fais 1m72. Mais la tête de WAM, que t'es son style parfait. Ah, ouais, j'ai Vas-y, je peux, c'est bon, je peux lui brancher. Mais si, mais la tête de maman, je vais lui brancher. Tu peux faire ta gueule, mais la tête de maman. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Reste-toi. Ah, JP, reste assis, sinon sous le canne, je viens. Qu'est-ce que tu vas faire, frérot? Tu m'agresses? Oh les gars, c'est bon, je suis dans le jardin des îles, Emily veut me roro. Mais c'est embêtant, là je suis trop indécis, j'ai le nuage en jour.